Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Geek Tech. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler du second produit dont je vous ai parlé, qui est la lampe de chevet de chez OK. La deuxième, qui est plus grande par rapport à ce qu'on a vu récemment. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous invite à y accéder pour pouvoir vérifier la précédente vidéo et voir bien sûr le contenu. Sinon, on reprend par rapport à aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit, on a cette lampe de chevet qui vient de chez OK. Donc, c'est une lampe de forme circulaire. Comme vous voyez, c'est une lampe qui reste un peu plus esthétique, plus belle que celle que j'ai mentionnée précédemment. Bien évidemment, il y a certains avantages et certains inconvénients qu'on va vérifier, bien sûr, au cours de cette vidéo. Alors, pour commencer, on va vérifier ce qui vient dans la boîte avec cette lampe OK. La boîte se présente ainsi, donc comme vous voyez, c'est une boîte très simple, comme à l'habitude de chez OK. Donc, une boîte simple avec bien sûr les informations basiques dessus. Donc, la lampe en question, c'est un modèle LTST37. Du moment que vous déballez, bien sûr, vous avez la lampe Aura, l'adaptateur pour alimenter la lampe, la télécommande, et le manuel d'utilisation avec la carte de garantie. Alors, du moment que vous effectuez les déballages, il suffit tout simplement d'insérer le tube lumineux sur le support électrique afin que vous puissiez bien sûr l'utiliser. Rien de très compliqué. Du moment que c'est fait, et s'il est branché déjà sur l'alimentation, il va s'allumer directement. Il faut savoir que le modèle LTST37 a un flux lumineux de 100 lumens avec une température de couleur qui varie entre 2700 et 3300 Kelvin avec une consommation de 8 watts. Donc au niveau de son alimentation, il ne va pas non plus consommer beaucoup d'électricité malgré le fait qu'il sera alimenté comparé bien évidemment à la lampe qu'on a présentée auparavant qui se recharge et que vous n'avez pas besoin de garder toujours branché au niveau de l'électricité. Par contre, l'inconvénient de cette lampe, c'est qu'elle n'est pas sensitive. Donc, vous devez disposer de la télécommande pour pouvoir modifier ou allumer l'éclairage ou l'éteindre. Donc, c'est quelque chose qui est un petit peu gênant, surtout que si vous vous réveillez la nuit et que c'est considéré comme une lampe de chevet, donc vous ne pouvez pas en fait juste appuyer pour pouvoir effectuer l'éclairage pendant la nuit. Il faut savoir que par rapport à la précédente lampe, et je prends toujours en considération cette dernière, il n'y a pas de voyant qui permet l'éclairage de la lampe pendant la nuit. Donc ce n'est pas possible déjà de voir où se trouve la lampe, mais également vous n'avez pas possibilité de savoir où se trouve la télécommande, surtout s'il fait très sombre. Donc c'est vraiment un petit point négatif, surtout si vous prenez en considération cette lampe comme lampe de chevet. Mais sinon, si vous l'utilisez comme décoration pour votre bureau, eh bien, c'est une belle lampe qui permettra voilà, de pouvoir colorer un petit peu et faire un éclairage qui reste avec une ambiance très sympathique, bien évidemment. Surtout que les couleurs, ils sont bien sûr toujours des couleurs RGB. Donc, ça reste une belle lampe de bureau qui permet tout simplement de pouvoir mettre un peu d'ambiance pendant vos vidéos ou pendant voilà, des lives, etc. Et ça permet également de pouvoir faire des motifs qui sont vraiment modifiables, comme je vais vous montrer dans quelques instants. Donc c'est quelque chose effectivement qui est très sympa, que vous pouvez modifier, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau de la vitesse également. Donc au niveau de la télécommande, il n'y a pas grand chose au niveau de cette dernière, mis à part voilà, donc, la possibilité de changer de mode. Vous avez également la possibilité de mettre un éclairage tout simplement soit fort, soit faible. La vitesse également de rotation, je dirais, de la lumière. Et également, si vous souhaitez mémoriser certains motifs que d'autres, que vous pouvez bien sûr directement y accéder sans que vous puissiez passer par plusieurs modes avant d'y arriver. Eh bien, on vient d'arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est une vidéo courte par rapport à la lampe Aura. Donc, mon avis reste un avis par rapport à mon test personnel. Et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous donner un avis neutre par rapport aux avantages et aux inconvénients de cette lampe. Donc, comme je vous ai expliqué, les inconvénients sont tout simplement le fait qu'elle ne soit pas sensitive
et que ça reste à ce moment-là automatiquement une lampe plus de décoration qu'une lampe de chevet. Ça aurait été au moins sensitive pour la lumière blanche, ça aurait été une bonne chose, mais malheureusement ce n'est pas le cas et ça reste donc une lampe plus de décoration ou de bureau. Vous pouvez mettre bien sûr à côté d'un coin de canapé. J'espère que cette vidéo, encore une fois, ça vous a plu. N'hésitez pas à mentionner votre avis personnel au niveau de la description. Cette lampe, on a dit que ça coûte dans les 50 euros. Si vous souhaitez, le lien va se situer dans la description pour avoir plus d'informations. Toutefois, si vous avez autre chose, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Portez-vous bien. Ciao.